Aurélie Preston, zéro complexe, victime de complications que Mélodie? Elle nous répond. Dans son interview accordée à Samzira, Mélodie confia qu'Aurélie Preston avait également eu des complications sur le tournage de Zéro Complexe. La chanteuse nous livre sa version des faits. Il y a quelques jours, Mélodie attira tous les regards en accordant une interview bouleversante à Samzira. La jeune femme, de son lit d'hôpital, témoignait de ses opérations cauchemardesques effectuées pendant le tournage de l'émission Zéro Complexe. Elle confia qu'Aurélie Preston avait elle aussi des soucis avec ses opérations. Elle aurait eu une asymétrie au niveau de ses facettes et des douleurs. Il est vrai que je n'avais pas eu le résultat escompté après la pose des premières facettes. Ce n'était pas ce que je voulais. Il y en avait quelques-unes qui étaient très courtes, mais dès que je l'ai dit à la production, j'ai été prise en charge par la meilleure dentiste. Aujourd'hui, j'ai des dents magnifiques, nous explique-t-elle. Les fossettes d'Aurélie Preston viennent de Dubaï. En attendant leur arrivée en Tunisie, elle a regagné la France avec des fossettes temporaires. Trois semaines plus tard, elle reprenait son envol pour la Tunisie. Après son retour en France et avant la pose de ses fossettes permanentes, Aurélie Preston a pris rendez-vous avec un dentiste français pour lui faire part de ses douleurs. Vu que la dent en dessous est à vif, cela engendre forcément des douleurs, nous confie-t-elle, rassurée par sa dentiste. Je n'ai pas eu d'infection, il ne faut pas inventer des conneries, réagit-elle aux propos de Mélodie. Il y a toujours un risque quand on se fait opérer. Quant aux mésaventures rencontrées par Mélodie, Aurélie Preston commente, je peux comprendre qu'elle soit déçue et qu'elle soit hyper triste. C'est malheureux mais se faire opérer est toujours risqué. Le chirurgien n'y est malheureusement pour rien.